Bonjour à tous et à toutes, c'est Thérapie. Eh oui, vous ne rêvez pas, c'est le retour incontesté des Making News. Grand retour égale grand rassemblement. Nous sommes donc nombreux à vous parler aujourd'hui. Et ce n'est pas moins de 4 personnes qui sont présentes aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour Red Seed, Viper Archao et Cataclysme qui m'accompagnent. Aujourd'hui, épisode spécial sur les classiques du Making. Les projets à ne pas louper donc. Et comment parler des projets classiques sans évoquer Aedemphia? Effectivement, Aedemphia est un croisement entre RPG occidental et RPG asiatique. Il a été créé sur RPG Maker 2003 par Sylvaner. Élu meilleur jeu en 2003 et en 2007, puis médaillé d'argent en 2005, Aedemphia est sans doute le projet francophone le plus apprécié. Incarnez Erika, une belle femme qui a mystérieusement été téléportée dans un monde étrange et inconnu. Ce scénario vous amènera à voyager entre les mondes, possédant chacun leur culture, leurs coutumes, leur ville et leurs secrets. Des secrets qui n'attendent que d'être découverts. Outre son scénario qui sort de l'ordinaire, Aedemphia contient d'autres surprises. Et si tu le veux bien, nous allons commencer par son gameplay. Ah, que dire du gameplay d'Aedemphia, mis à part qu'il est très très riche. Vous avez une grande liberté d'action et de choix. Vous pouvez choisir vos caractéristiques, telles que l'attaque ou encore la dextérité. Ces caractéristiques vous permettent des actions en combat évidemment, mais aussi hors combat. Par exemple, si vos points d'esquive et de dextérité sont élevés, vous aurez plus de chances de réussir votre vol. Il faudra donc bien réfléchir avant de choisir où placer vos points. Ces points de compétences ne sont d'ailleurs pas le seul aspect original du gameplay d'Aedemphia. Oh, loin de là! Il y a les points de réputation, le système de cartographie ou d'alchimie et bien d'autres choses encore. Le gameplay est certes très intéressant. Très très intéressant. Mais l'univers est tout de même surprenant. L'ambiance est sympathique, particulièrement en ville, même si certains PNJ nous barrent systématiquement la route. La musique est absente, mais réellement absente. Il n'y en a pas du tout, du tout, du tout. Sylvaner a malheureusement eu quelques différends avec son ancien compositeur. Mais ne vous inquiétez pas, les musiques seront au rendez-vous pour la prochaine démo. Sauf s'il prend trop de retard dans son projet, il se verra forcé de ressortir une démo sur BGM. Même si l'absence de bande-son gêne cruellement, et cinématiques rattrape quelque peu ses défauts. Elles ne sont pas dignes de grands cinématographes, mais restent agréables et fluides. Pardon ? Ces cinématiques sont entièrement faites par Sylvador, comme tous les graphismes de son jeu d'ailleurs. Oui, mais je voulais simplement dire que ça ne vaut pas un jeu professionnel, bien qu'elle soit splendide. Elles les valent 1000 fois. Bref, Aedemphia reste finalement le projet amateur le plus ambitieux. Malgré son manque de musique dû à un très vilain compositeur. Enchaînons donc tout de suite avec Quest Legend réalisé par Ben Akin. Programmé sous RPG Maker VX, Quest Legend est un des plus gros projets francophones jamais vus. A l'origine, sorti en 3 épisodes successifs et bien distincts, ils sont depuis le 22 novembre 2011 tous disponibles en un seul et unique jeu. Un jeu très agréable avec un rapport taille-durée de vie parfait, car il ne pèse que 160 mégaoctets pour une durée de jeu allant de 30 à 40 heures. Un jeu donc très complet sur tous les aspects, mais parlons déjà de son univers. Oui, le monde de Quest Legend se divise en 2 gros blocs composés de plusieurs îles, appelés respectivement le continent nord et le continent sud. Cela est visible durant le jeu grâce à une map monde très complète nous permettant de switcher d'un lieu à l'autre. Comme une forêt, une ville ou encore un donjon. Il existe de nombreux autres systèmes attrayants dans le jeu, mais qui se sont désormais un peu banalisés. Il faut dire que Quest Legend en a inspiré plus d'un, et cela risque de ne pas s'arrêter pour le moment. Comme par exemple le système des sphères au-dessus des PNJ indiquant le type de quête disponible, largement réutilisé par la suite dans de nombreux autres projets amateurs. Après, il y a bien sûr le système de jour-nuit, d'auberge, de craft, d'SBS, etc. Cela dit, je reste un peu sur ma faim quant au système des métiers. Ben Akin nous réalise au cours de son jeu de très belles cinématiques mining, je pense entre autres à la grotte de l'épisode 1, mais se contente d'obscurcir l'écran pour les métiers. Pas très esthétique, certes, mais efficace. Parlons un peu de l'histoire, si tu veux bien. Eh bien, c'est très complet pour changer. On sent qu'il a appliqué son background, même si ça reste trop enfantin à mon goût pour être le jeu du making francophone. Effectivement, bien que son univers soit très riche en détails, le fond n'est pas si extraordinaire. En résumé, l'équilibre est rompu à cause d'une grande guerre qui a détruit le mal. Sauf que le bien n'a pas de raison d'être sans le mal. Heureusement, l'on peut toujours compter sur quelqu'un pour être le grand méchant du jeu et s'autoproclamer roi de l'outre-monde. Et c'est ainsi que Timon, l'habitant perdu, loin de la civilisation, se retrouve à devoir sauver le monde d'une nouvelle guerre en préparation. En parlant de personnages, Ben Akin va baser une grosse partie de son jeu sur les différents personnages de l'équipe, qui sont certes très nombreux. Oui. De l'ancien au chevalier, en passant par le chimpanzé, vous aurez de quoi bien vous amuser. A noter que vous pouvez également organiser votre équipe dans le manoir. Nous avons donc un énorme projet sur RPG Maker VX, d'une durée de vie colossale, avec une excellente mise en scène.
Le tout saupoudré d'humour avec une ambiance agréable, même si quelques points noirs comme les musiques assez répétitives et la trame principale ternissent un peu le jeu. Réalisé sur RPG Maker VX Ace, Sarcia est un projet en cours, dans un style atypique et très prometteur. Sarcia, on peut dire que Kalear, son auteur, a semé hanté depuis bien longtemps. En effet, il a réalisé une démo de RPG classique sous RPG Maker 2003 il y a plusieurs années, avant de se tourner finalement vers la plateforme qu'il a aussi abandonnée. Après une longue inactivité, il est récemment revenu en force avec ce nouveau projet d'un type très différent. Sarcia, c'est un voyage dans un univers qui promet d'être très beau, avec une petite touche de gameplay original. Vous apprendrez au cours de vos voyages des mots que vous pourrez ensuite prononcer pour interagir avec des éléments variés. KLR insiste sur cette idée de voyage, en nous promettant une aventure différente à chaque fois. L'ordre des cartes et divers événements seront définis aléatoirement à chaque nouvelle partie, jusqu'à l'apparence du joueur. Tout cela nous promet donc une bonne replay value, d'autant plus que le monde a l'air agréable à parcourir, comme en témoignent les screens qu'il publie sur son site. De plus, il rajoutera du contenu après la publication du jeu, pour des parties toujours plus variées. Les musiques sont composées par Nurikabe, le même qui composait les musiques de sa première démo. Nous ne descendrons pas sur ce point, car il a très peu communiqué sur le sujet. Le jeu comportera des voix qui s'annoncent de très bonne qualité, dans une langue inventée pour le jeu. Les textes seront d'abord en anglais, mais une traduction française n'est pas à exclure. Signalons aussi que le jeu sera payant, mais ne vous inquiétez pas, il ne vous en coûtera qu'une poignée d'euros et vous aurez les futures mises à jour. On peut donc aisément dire que ce projet vaut le coup d'œil, et que le making français a encore de belles choses à montrer. Le jeu n'est pas encore sorti, mais l'attente ne devrait plus être très longue. N'oubliez pas de suivre l'activité du jeu sur le forum de Niromancy ou sur son site officiel. Nous quittons donc sur ce projet assez neuf, mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons dans deux petites semaines. Veuillez excuser les grands projets dont nous n'avons pas pu parler, car notre temps était assez limité et nous ne pouvions pas prendre tout le monde. À bientôt. À bientôt, ciao ciao.